Un groupe de journalistes ukrainiens a interrompu un discours du président Viktor Yanukovych ce lundi à Kiev. Sur ses pancartes, il dénonce la censure et l'asservissement des médias. Dans son discours consacré au journalisme, peut-être déstabilisé, le président ukrainien a fait un lapsus révélateur. Je demande aux journalistes de maintenir des standards d'éthique élevés et les principes d'objectivité et d'être politiquement subjectifs. Assez ironiquement, la capitale ukrainienne accueille cette année le congrès mondial annuel des journaux, consacré en partie à la liberté de la presse, un thème ultra sensible dans le pays. Ce n'est un secret pour personne que le climat médiatique sous la présidence de Yanukovych a radicalement empiré. Les autorités commencent à faire pression sur les journalistes et les médias. Elles deviennent souvent brutales. La liberté de la presse est en sérieux recul en Ukraine depuis 2 ans. Le pays a perdu 27 places au classement de Reporters sans frontières. Cet été, un journaliste écologiste a été assassiné dans le sud du pays. Et depuis un contrôle fiscal musclé, la chaîne de télévision TVI se voit confisquer ses fréquences de diffusion.